parce que ça rampe, que ça sonne, que ça coulisse, comme un trombone, ça grimpe lassivement dans la nuit sournoisement. Ça se glisse sous la couette, par-dessous le lit. Tu sens le froid contre ta cuisse, alors tu cries, mais aucun son ne sort de ta bouche, un frisson s'empare de toi, tu vas mourir, étouffé ou alors bien pire. C'est du venin en injection qui te rentre dans la peau et va grimper jusqu'à ton cœur d'artichaut qui va finir par lâcher et tu vas crever. Je ne sais rien sur l'activité sexuelle du serpent mâle ou de la femelle. Est-il vorace ou obsédé, sexuel, catho, LGBT? Peut-il faire l'amour pendant longtemps ou alors s'endormir pendant? Le serpent est-il trans ou hétéro? Se comporte-t-il comme un salaud? Est-il du genre à se faire larguer ou bien à ne jamais rappeler? Un petit message, un petit billet pour dire qu'il a bien rampé. Y a-t-il des serpents féministes, des reptiles stériles ou fétichistes? Parce que ça rampe ou que ça sonne, que ça coulisse comme un trombone, ça grimpe lassivement dans la nuit sournoisement. Ça se glisse sous la couette, par-dessous le lit. Tu sens le froid contre ta cuisse, alors tu cries, mais aucun son ne sort de ta bouche. Un frisson s'empare de toi, tu vas mourir, étouffé ou alors bien pire. C'est du venin en injection qui te rentre dans la peau et va grimper jusqu'à ton cœur d'artichaut qui va finir par lâcher et tu vas crever. La femelle se tire-t-elle de bonheur de chez son amant le matin? Reproduit-elle les mêmes erreurs d'un serpent à l'autre, j'en sais rien. Fascinante de beauté, la couleuvre de Montpellier attire ses amants grâce à son accent, comme la vipère de Clermont et le cobra de Montbrison. La couleuvre d'Esculape est une salope doublée d'une guape. Elle bouffe du piment d'Espelette, elle fait de l'escrime et des omelettes, du tennis et du baseball avec des squelettes. Sa grande gueule de prédateur, son charisme de putain de dictateur. L'anaconda ou le constrictor, eux, s'enroulent autour de ton corps. Ils te compriment comme un malade. Que tu sois plat comme une dorade, ils serrent jusqu'à ce que t'en puisses plus. Et ils t'avalent tout rond tout cru. Ensuite ils pioncent pendant des semaines, digérer ton teddy, les semelles de tes creepers, ta chaîne de clés. Ils se la bouffent, les doigts dans le nez. Parce que ça rampe ou que ça sonne, que ça coulisse comme un trombone, ça grimpe lassivement dans la nuit sournoisement. Ça se glisse sous la couette, par-dessus le lit. Tu sens le froid contre ta cuisse, alors tu cries, mais aucun son ne sort de ta bouche. Un frisson s'empare de toi, tu vas mourir, étouffé ou alors bien pire. C'est du venin en injection qui te rentre dans la peau et va grimper jusqu'à ton cœur d'artichaut qui va finir par lâcher et tu vas crever.